Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un gros haul action. J'ai fait quelques petits achats. J'ai été en deux fois. La première fois, j'en ai eu pour 64 euros, presque 65. Et l'autre fois, je suis retournée, j'en ai eu pour 29 euros. Voilà. Alors, j'ai les tickets de caisse sur le côté. Je vais essayer de vous faire voir ce que j'ai pris. Voilà, avec le, on va essayer avec les tarifs. Alors, j'ai repris ce papier cadeau que je fais lors de mes ventes. Voilà, pour mes clientes, j'emballe toujours mes petits cadeaux. Alors, il y a 3 mètres sur 70 cm. Voilà, et je l'ai pris. Alors là, j'en ai pris, si je me rappelle bien, j'en ai pris 10. Je suis en train de chercher le prix. Alors, j'essaye de faire vite. Bon. J'essaye de... Ah, voilà. J'en ai pris 10. C'était au prix de 79 centimes. Voilà. J'ai fait le plein. J'ai pris... Quoi, j'ai repris des enveloppes à bulles. Toujours pour mes ventes. Là, j'ai pris en grand format à 99 centimes. Il y en a toujours 3 dans un paquet. J'en avais d'avance. Je pense que là, je suis bien au niveau des grandes tailles. Ensuite, j'ai repris en petite taille. J'en ai d'avance encore, mais... J'ai préféré en reprendre parce qu'il n'en restait plus beaucoup dans le rayon. Alors j'en ai pris 5, toujours à 99 centimes. Et c'est toujours par lot de 5. C'est des enveloppes à bulles que je me sers quotidiennement pour mes envois, pour mes échanges, pour les personnes qui achètent auprès de ma boutique. Je les utilise énormément. J'ai repris... un massicot, puisque le mien, alors, ils sont hyper, hyper bien. Mais celui-là que je viens de jeter, au niveau de la rainure, à force de passer avec la coupe, la rainure s'effrite. Alors, voilà, c'est rien en soi, mais j'ai dit, bon, allez, pour le prix, on peut le changer. Toujours à 2,99€, ils appellent ça rogneuse avec lame. Voilà, ils appellent ça bizarre, tiens. Rogneuse avec lame, 2,99€. J'en ai pris qu'un, parce que je sais qu'il y en a régulièrement. Alors, je vais me mettre la poche à ma hauteur. J'ai pris, alors ça n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai pris des poches à caca. Ben ouais, c'est par lot de 100 et c'est vraiment pas cher. Alors, que je m'y retrouve, 1,29€. Voilà, et en plus de ça, elles sont bien, elles sont parfumées. Bon, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais je voulais vous le faire partager. J'ai pris alors ce genre de roller, mais du coup je vais pas m'en servir parce que j'ai retrouvé le mien. En fait je l'avais cassé et je l'ai rafistolé comme j'ai pu. Et du coup je... Mais j'ai retrouvé la même marque. Du coup celui-là, eh bien, je vais le donner à un de mes enfants. Alors ça c'était pas cher. 1,39€. Voilà. Ensuite, j'ai
repris alors du double face 3D. Alors je regarde. Voilà, j'ai repris du tout double face 3D. Je travaille beaucoup avec. À 59 centimes, j'en ai pris que deux. Bon, ma foi. Quand j'y retournerai, j'en prendrai d'autres. Là, j'ai pris les deux derniers à 0,36 centimes. Voilà, j'ai pris les deux derniers. Il n'y en avait plus. Et ils ne savaient pas quand c'est qu'ils allaient en recevoir. Voilà, j'ai pris une petite paire de ciseaux à 0,62 centimes ou un truc comme ça. Je regarde en vitesse. C'est ça, 0,60. Alors, non, alors celui-là, c'est 0,68 centimes. Et celui-là, qui est plus grand, bon, je ne suis pas habituée à les... à avoir ce genre de ciseaux, mais le mien, ça y est, il a fait son temps. Je vais le passer à mon mari, ça fait que je l'ai changé. Et celui-là, par contre, il était à 0,62 centimes. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi celui-là, qui est largement plus petit, il est à 68 centimes, et celui-là, 62. Bon. Mais bon, ça reste pas cher. Voilà. Ensuite, j'ai repris des stickers. Alors, c'est des perles stickers autocollantes. Voilà, toujours de la marque DecoTime. C'est un Jewelry Stickers. Ça sera à offrir lors de mes échanges. Voilà. Là, je suis un peu en retard, on va dire, mais bon. Voilà, j'en ai pris 3. Oui, j'en ai pris 3. Et c'était à 79 centimes. Là. Ensuite. Hop. J'ai pris les deux derniers aussi. J'ai pas de chance, j'ai pris les deux derniers. Il m'en fallait plusieurs. Moi, je prends sur le format A6, c'est à 89 centimes, c'est toujours, c'est par lot de 50, et c'est de craft et design. Moi, je les prends pour ma boutique, voilà, pour mettre mes articles que je vends, je les mets dedans, et voilà. J'en ai pris que deux, bah, il ne restait plus que ça, j'ai été déçue. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs, pareil, pour mes échanges. Alors là, par contre, j'en ai pris 3. Alors, où c'est qu'il me l'a mis? Dans quel ticket? Ah. Je regarde en vitesse. Ok. Ah. Ah, ça y est. J'ai 74 centimes. Alors, c'est des petites roses avec une petite tige. Il y a 15 pièces par paquet. Ils appellent ça des mini paper flowers. C'est de la marque Hobbyflora. Voilà. Fleurs en papier sur film métallique. Voilà. J'en ai pris 3 aussi. Ça servira pour mes échanges. Ou pour faire des créas. Alors bon, bien sûr, ça rien à voir aussi avec le scrap, mais du coup, quand je fais des vidéos et tout, mon mari m'aide, mais avec le sien, et moi du coup, il m'a cassé le mien.
Voilà, alors j'ai pris ces éplucheurs. Alors, c'est des couteaux éplucheurs. Voilà. Et là, c'est par lot de deux. Je suis en train d'essayer de voir le prix. Ah, je ne le vois pas. Je l'ai vu tout à l'heure, mais là, je ne le vois plus. Maillot. Bon, mais je ne le vois plus. Ah, ça y est, 7 déplucheurs de pièces. Ah, c'est tout. Eh bien, 75 centimes. Vous voyez, je le voyais un peu plus cher quand même. Ben oui, 75 centimes. Ils appellent ça le EH, c'est ça, la marque EH. 7 éplucheurs de pièces, divers couleurs. Moi, je l'ai pris cette couleur-là. Voilà. 75 centimes. Et du coup, peut-être que j'en reprendrai un autre. Encore que mon mari me le casse encore. Ensuite, là, par contre, j'ai eu la main très lourde. J'ai pris plusieurs dies. Alors, on va commencer par cela. Alors, faut que juste que je me rappelle du prix. Est-ce que c'est tout ça? Hop, hop, hop. Et là, c'est. Ouais, bon, mais je sais pas. Ça devait être. Là, c'est l'eau de 3, même. Est-ce qu'elle me l'a passé par 3, la vendeuse? Je ne sais pas. Bon, à mon avis, je ne le trouve pas. Je sais que les autres, c'est 3,39 €. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça, c'est bon, je les ai trouvés. Bon, ben je ne le vois pas là, celui-là. Ah, peut-être cela alors. Le de 3, ouais, c'est bon. 2,39 €. Alors, j'ai pris celui-là. Alors, j'espère que vous allez le voir bien comme il faut. J'ai pris celui-là parce que si vous voyez bien la découpe, hein, il fait des tags pochettes. Alors, je vais faire le test et je vous montrerai ce que ça donne. Parce que du coup, on a l'assemblage idéal pour faire une petite carte, un tag. Sur une carte aussi, on a un nœud, on a le mot love, on a deux petits cœurs, voilà, et on a pour faire des petits ronds, voilà. Et si on regarde bien, on a deux découpes, une à l'extérieur et une à l'intérieur, et idem pour celui-là. En fait, on peut faire un fond de base plus des fonds en devant quoi. À tester et je vous ferai voir ce que ça donne. Alors 2,39 €. Ensuite, j'ai pris celui-là. Alors il me plaît beaucoup, mais je l'ai pris surtout pour faire un joli oh, je sais pas comment on appelle ça. Bon, une étiquette, on va dire, mais il y a un autre nom. Ce qui est joli aussi, voilà, il y a plusieurs petites découpes de fleurs et tout. On peut faire une petite carte mignonnette avec. Et oui, voilà, je n'avais pris deux identiques, voilà, parce que je me suis dit, si je dois en faire en série aussi, autant en prendre deux.
Voilà. Et pas pour ça, mais au moins pour faire. Voilà, j'en avais pris deux, c'est vrai. Pour le faire en série, c'est pas mal du tout. Ensuite, là, je me suis un peu lâchée, on va dire. Alors, j'ai pris. Alors, c'était 3,39 euros. J'ai pris ce set d'étoiles. On n'en a jamais assez, surtout quand on fait des créas pour Noël, par exemple. Alors, je vais essayer parce que j'ai l'impression que vous avez un petit reflet. Alors, je vais peut-être le poser. Alors, on a des étoiles filantes. On a des grosses étoiles. Ah, excusez-moi, il y a la chienne. Hop, je vais fermer, j'arrive. Chaque fois que j'ai ma poule qui pond un œuf, j'ai ma chienne Fiona qui pleure. Elle souffre avec, en fait. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je vais essayer de l'enlever du plastique. Attendez. Hop. Peut-être que là. En plus, mes yeux me jouent un tour. Voilà. Là, je pense que vous n'avez pas le reflet. Voilà. Alors, je vais faire des petites merveilles avec. J'ai pris, alors ça, par contre, dès que je l'ai vu comme celui-là, d'ailleurs, la forme m'a, mais vraiment très, très jolie. Je n'en avais pas dans ce format-là. Bon, les rectangles, oui, les carrés, oui. Mais en rond comme ça, non, je n'en avais pas. J'ai le rond basique, mais là, on va dire rectangle. C'est difficile. Voilà, mais c'est surtout ce niveau de la découpe. Alors, on en a dans plusieurs modèles. En plus, on en a plein. 2, 4, 6, 8. 10, 12, voilà, 12 dies pour 3,39 €. Ça vaut le coup, non? Là, on l'a dans le format carré, mais toujours avec cette espèce d'arrondi. On a un joli petit cœur qui est pas mal en soi. Et là, on l'a dans l'ovale. Voilà. Je n'ai pas pris toutes les catégories. Après, j'ai pris celui-là. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien, mais la forme m'a dit. En fait, le paquet me disait prends-moi, prends-moi, prends-moi. Voilà. Avec, on peut faire pour Noël, vous savez, qu'on secoue là. Eh bien, j'ai envie de le faire avec des cartes, en carte checker. Voilà, ça m'a donné l'idée. Pourquoi pas? Voilà. Et là, il y en a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 matrices de découpe. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire, on peut faire des petites ou des grandes boules de neige à secouer. Et moi, par contre, dedans, je mettrai de la neige. Savez, celle qu'on met sur les sapins. À essayer aussi. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai pris ce lot de découpe aussi. Alors, c'est une seule pièce. Voilà, c'est une seule pièce, mais on peut faire voilà, quelque chose de pas mal avec. Ça ne se découpe pas, c'est un seul bloc à essayer. Bon, là, peut-être, oui, qu'on peut découper. Voilà, oui, ici, on peut découper si on veut enlever. Ce petit rond-là. J'espère que vous voyez bien parce que franchement, j'ai un reflet énorme dans le téléphone. Voilà, à essayer, pourquoi pas. Et j'ai pris le dernier modèle. Je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. Celui-là, je l'ai vu paraître dans des vidéos haul de certaines des filles. Et par contre, là, voilà, lui, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Il est super, super, les dalles sont super bien faits. Il y en a un, deux, trois,
4, 5, 6, 7, 8 pièces, on dirait, si j'ai bien compté. Voilà. Alors là, celui-là, par contre, on peut le voir. Moi, j'ai déjà. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Moi, j'avais déjà celui-là. 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 Voilà. Ça fait que du coup, j'ai agrandi ma collection avec celui-là. J'ai celui-là aussi. Ah, alors, il m'en manque deux. Il m'en manquerait deux. Mais à voir à l'occasion. Et bien voilà. Mais j'ai fait le tour de mon haul. Bon, bien sûr, j'ai acheté autre chose comme des maillots de corps, des Bermudas, un bac de rangement bambou pour ranger mes peintures. Voilà. Maintenant, j'attends de recevoir mes sprays de peinture. Voilà. J'ai acheté quoi aussi? De la peinture en spray. Voilà, j'ai acheté des allumettes, mais les allumettes, vous savez, les grandes là, comme ça c'est bien pour allumer le barbecue, parce que nous on est très barbecue. Là, les allumettes, elles étaient à 87 centimes pour 60 pièces. C'est vraiment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, mon mari s'est pris des pinceaux. Et après, j'ai pris en plus des pochoirs. Pochoir étiquette, mais ça, je sais, c'était pour mon mari, je sais pas pourquoi d'ailleurs. De la peinture encore aérosol. Ah oui, j'ai pris des petites sucettes pour mes petites filles. J'ai pris la boîte de 298 grammes à 2,99 €. Elle était en baisse. Et pour me faire plaisir, parce que mon mari, il me l'a cassé. Et je me suis acheté un. Ils avaient remis, parce que apparemment c'était 8 parties. Ils ont remis des mixeurs MasterChef à deux vitesses à moins de 11 euros. Voilà, 10,95 €. J'ai dit, allez, banco, je le prends. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que j'aurais dû en prendre deux, mais bon. Je pense pas que quand j'y retournerai, il y en aura. Voilà, et bien la vidéo maintenant est terminée, mes amis. On se retrouve pour un prochain haul ou un tuto carte. On verra par rapport au temps, parce que je garde ma petite fille à nouveau. Et voilà, j'ai pas trop trop le temps à chaque fois. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. Je vous fais de gros 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 bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.